écoutez Alger chaîne 3, le journal. 7h10 au cœur de l'info. Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 19 mars, le peuple algérien célèbre aujourd'hui la fête de la victoire. L'accord de cessez-le-feu couronnant la victoire d'une guerre de libération, cité en exemple dans un message adressé à la nation. Le président de la République appelle à unifier les rangs pour faire face aux défis auxquels est confronté le pays. Le chef de l'État évoque l'Algérie nouvelle et le travail entrepris pour son édification. Le président de la République qui a installé la haute commission nationale des recours relatifs à l'investissement, présidée par le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, une question sur laquelle nous reviendrons également dans cette édition. 9e jour du massacre de Ramadan, ils sont nombreux, nos ressortissants à venir jeûner au pays. Ils ont bénéficié depuis le 10 mars et ce jusqu'au 13 avril d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux d'Air Algérie à destination du pays. Et puis aborder la disponibilité des médicaments en Algérie. L'objectif, développer la production locale et assurer la sécurité sanitaire. Des questions au cœur de la visite du ministre de la Santé, Abdelhak Saïh, hier, et du président du conseil du renouveau, Kamel Moula, à la pharmacie centrale des hôpitaux. Nous évoquerons également la question de la Palestine, Gaza, avec l'assassinat du chef de la diplomatie du Hamas aujourd'hui. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 8 massacres contre les familles dans la bande de Gaza. Massacres qui ont fait 81 martyrs et 116 blessés. Du sport également, avec notamment le premier stage de l'équipe nationale sous la houlette du nouveau sélectionneur national. Une journée également de mise à jour du championnat de Ligue 1. C'est la fête de la victoire ce 19 mars, journée mémorable au Walid Selman. Il y a 62 ans, jour pour jour, était proclamé le cessez-le-feu, sanctionnant un lent et âpre processus de négociation et consacrant la victoire du peuple algérien sur un colonialisme français qui aura duré 132 ans. La consécration pour le combat d'un peuple qui n'avait jamais abdiqué ni cédé, payant un lourd tribut, 1 500 000 martyrs en 7 ans de guerre de libération nationale. Un legs de nos martyrs, une Algérie libre qu'il convient de préserver et d'honorer dans un message adressé à cette occasion, le président de la République appelle à la préservation de la stabilité du pays. Hanan Saïsi. Cette date anniversaire, point d'arrivée d'un long chemin de lutte nationale, une occasion pour renouveler le serment aux martyrs, écrit le président Abdelmadjid Tebboune, assure de la détermination à avancer dans la nouvelle Algérie vers les objectifs fixés par la déclaration du 1er novembre, notamment le renforcement de la souveraineté nationale et l'indépendance de la prise de décision. Le président rappelle l'engagement pour une économie nationale efficace et compétitive, garante du caractère social de l'État, à travers la consolidation des acquis pour une vie décente et préserver la dignité du citoyen. Ce 62e anniversaire est célébré dans des circonstances régionales et internationales particulières, rappelle le président de la République. Il appelle à la consolidation des efforts, à l'unification des rangs et au renforcement du front interne. Abdelmadjid Tebboune, qui réitère également l'importance de définir les priorités dans une perspective stratégique nationale face aux défis qui attendent le pays, le maintien de la stabilité, notamment dans un contexte de voisinage caractérisé par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région et un contexte mondial marqué par des conflits et des polarisations complexes. Le président rend hommage aux martyrs du devoir national et de la guerre de libération. Il salue en cette même occasion les efforts des éléments de l'armée nationale populaire qui veillent sur la sécurité et la sérénité nationale à nos frontières et la vigilance des corps de sécurité. Une synthèse signée Hanan Saïsi. Ouais, ce 19 mars 1962 qui fut le fruit de longues négociations. La fête de la victoire, représentée par le cessez-le-feu du 19 mars 1962, a sanctionné en effet les négociations d'Évian menées par les membres du GPRA, déterminés à ne faire aucune concession face aux colonisateurs, Chakib Benzaoui. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Ce sont ces paroles de Farhat Abbas qui marquèrent le début d'un processus, celui des négociations d'Évian, des mois de discussion sans pour autant que cela ne mette fin au combat. C'est ce que nous explique Nordine Djoudi, ancien diplomate et officier de l'ALN. 1 million de soldats français plus des colons armés n'ont pas réussi à écraser l'ALN. L'ALN a continué à résister. Tous les préparatifs avaient été faits au niveau de l'état-major Est et Ouest pour que, en cas d'échec des négociations d'Évian, on était prêt
a injecté des milliers de combattants et a ravivé la flamme. La règle à l'époque était de ne pas déposer les armes jusqu'à l'obtention de tous les droits. Et ce fut chose faite le 18 mars 62 par la signature des accords et la proclamation du cessez-le-feu le lendemain 19 mars. Et si on est arrivé au but qu'on s'était assigné, c'est-à-dire les négociations des biens. Ce n'est pas comme certains le présentent que la France là, est dans sa générosité, elle a décidé de nous accorder l'indépendance. Nous avons toujours dit, l'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. À partir de là, une nouvelle page de l'histoire est ouverte, celle de l'Algérie indépendante. C'est ce qu'affirme le premier président de l'exécutif provisoire, Abdelrahman Fers, au lendemain de la victoire. La nouvelle page de l'histoire de notre beau pays s'ouvre désormais d'une façon irréversible. En ce premier jour, les négociations d'Évian furent marquées par l'obstination du GPRA, notamment sur les questions territoriales. Il s'agissait de parvenir à une indépendance complète et sans concession. C'est ce qu'affirme Feu Reda Malek. Il était parmi les négociateurs. Donc du territoire. Le territoire, pas seulement le problème du Sahara, mais aussi le problème de Mers el Kebir. Mers el Kebir, il voulait que ce soit une enclave de souveraineté française, c'est-à-dire le Gibraltar français, au flanc de l'Algérie. Ça a été rejeté, bien sûr. Une indépendance arrachée au prix fort de millions de martyrs qui impose aujourd'hui un devoir de mémoire. Une mémoire qui interpelle les nouvelles générations à préserver le legs de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, mais aussi à s'en inspirer dans la construction de l'Algérie de demain. La fête de la victoire, un naquit arraché au prix de lourds sacrifices. En effet, cette date symbolique, nous vous lisions, qui témoigne des sacrifices du peuple algérien, des acquis à consolider aujourd'hui grâce à un travail de mémoire en continu, écriture de l'histoire et récupération de nos archives. Sophia Boukacha. Une date hautement symbolique qui est venue marquer une halte historique annonciatrice d'une nouvelle ère, celle d'un peuple qui a réussi à imposer sa volonté et à accéder à son indépendance. Elle témoigne de tous ses sacrifices. L'Aïdr Biga, ministre des Moudjahidines. La fête de la victoire est une consécration de la lutte du peuple algérien à travers toutes les étapes qu'il a traversées. C'est une consécration de sa lutte, de sa résistance et tous les défis qu'il a relevés, et même une consécration de son combat politique, ainsi que toutes les souffrances endurées. Nous n'oublierons jamais les injustices commises contre le peuple algérien, comme les massacres du 8 mai 1945 et dans le nord constantinois. Cette journée nationale est le jour de la victoire algérienne, et la guerre de la révolution algérienne est connue dans le monde entier. L'écriture de l'histoire revêt une grande importance et passe par la récupération des archives. La commission mixte algéro-française d'historiens se penche sur la question. La récupération des archives est un devoir national et un droit du peuple algérien. C'est l'un des piliers du dossier de la mémoire. Le président de la République a chargé la commission composée de 5 historiens pour se pencher sur la question. Les résultats sont probants et cela suit à toutes les activités et réunions tenues entre les deux parties algériennes et françaises. Et cette archive nous cantonne sur lui pour déterminer tous les phénomènes historiques par lesquels l'Algérie est passée. L'Algérie a recouvré sa souveraineté nationale grâce à la combinaison de la lutte armée, de l'action politique et aussi du soutien populaire, en dépit de toutes les tentatives du colonialiste français de nier les faits. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant justement l'événement d'aujourd'hui, la célébration de la fête de la victoire. 7h09 minutes sur Alger, chaîne 3, toujours dans l'actualité. Le président de la République qui a installé la Commission nationale supérieure des recours liés aux investissements. Présidée par Boualem Boualem, le directeur de cabinet à la présidence de la République, elle est chargée de statuer sur les recours déposés par les investisseurs. À cette occasion, le chef de l'État a insisté sur l'importance particulière accordée à ce domaine vital. Saluons les efforts de l'organisation patronale, le Conseil du renouveau économique algérien, dans la dynamisation du rythme des investissements et diversification de l'économie nationale et réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le chef de l'État soulignait également les résultats de la coopération entre le ministère du Commerce et le CREA qui a favorablement répondu à l'initiative de baisse des prix de produits de large consommation en ce mois sacré de Ramadan. Par la santé et médicaments, l'instruction ferme avait été donnée par le président de
la République lors du dernier Conseil des ministres, moderniser le mode de gestion de la pharmacie centrale des hôpitaux et veiller à éviter toute rupture de médicaments. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Abdelhak Seyhi, et le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, ont effectué une visite hier au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Les deux parties ont longuement abordé la question de la disponibilité des médicaments d'Algérie, objectif développer la production locale et assurer la sécurité sanitaire. Hassan Chemmache. Médicaments, le ministre de la Santé Abdelhak Seyhi promet de résoudre définitivement le problème de rupture. Nous, maintenant, on tient des réunions de coordination ministère et la direction générale de la pharmacie intervient pour nous présenter chaque 15 jours les produits manquants. Chaque 15 jours. Konadna, on vous contacte. Nous avons les moyens. Le budget de l'État augmente chaque année, le ministre de la Santé. En matière de financement pour le médicament, Doula Marjach Loura. Au contraire, chaque année, le budget augmente. Notre objectif est d'assurer la sécurité sanitaire. Le ministre de la Santé. C'est ça la sécurité sanitaire. Quand notre pays est autonome et nous n'avons pas un lien avec l'étranger pour soigner nos enfants ou nos malades, c'est ici qu'il faudrait avoir nos produits et nous sommes capables. Le Conseil du renouveau économique s'implique et trace un objectif. Kamel Moula, son président. Les produits qu'on est en train d'apporter seront entièrement produits localement, au moins majoritairement. Donc, c'est bonne nouvelle. C'est d'ici 2025, Inch'Allah. Production locale. Le directeur général de Saïdal, Wassim Kouidri, s'engage. Nous, on va même produire la matière première des produits d'oncologie. Pour rappel, le tissu industriel local compte plus de 200 entreprises de production pharmaceutique. Le taux actuel de couverture du marché national en produits pharmaceutiques fabriqués localement est de 70%. Neuvième jour du mois sacré de Ramadan et ils sont nombreux, nos ressortissants, à venir jeûner au pays pour une bonne raison d'ailleurs, Walid Salman. En ce mois de Ramadan, la communauté nationale installée à l'étranger bénéficie depuis le 10 mars et ce jusqu'au 13 avril d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux d'Air Algérie à destination du pays. Comment a réagi la diaspora à cette offre qui permet à beaucoup de pouvoir passer Ramadan en Algérie? C'est le reportage signé Mayal 15. Plusieurs membres de la communauté nationale installée à l'étranger sont ravis de pouvoir profiter de cette réduction spéciale offerte par Air Algérie pour venir partager avec les leurs, dans un élan de rapprochement familial, l'atmosphère spécifique liée à ce mois de jeûne et de piété. Le président a parlé déjà, il a dit de baisser le prix des billets de 50%. Je suis venue passer une semaine de Ramadan avec mes filles, avec ma mère, avec toute la famille. Il n'y a pas mieux que de faire le Ramadan dans notre pays. 135 euros pour 10 jours, moi ça me va. Franchement, je suis content. Je viens d'atterrir, je viens de Paris et je suis venu pour passer le Ramadan avec mes proches. Je suis très contente. Je vais passer le Ramadan avec mes cousines. J'ai hâte de les retrouver. Sahar Ramadan Koum. Cette réduction de 50% engendre un afflux des membres de cette communauté vers l'Algérie. Mortar Medioni, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. Je pense qu'il va y avoir un rush de nos citoyens à l'étranger. Les gens viennent de tous les pays du monde, ils transitent par Alger pour passer le Ramadan en Algérie. Venir la dernière semaine, c'est un Ramadan et c'est l'Aïd en famille. Cette nostalgie du pays, des prix qui sont abordables en Algérie, et ça ne sera plus les 9 400 000 qui seront attendus. Moi, je pense qu'on va dépasser les 10 millions, mais très facilement d'ici l'été, au vu de tout ce qui est octroyé comme facilité aux citoyens algériens. Cette réduction exceptionnelle par Air Algérie des billets est suivie en prévision du nombre élevé de voyageurs durant l'été par une série d'autres initiatives, entre autres la réduction des prix de certaines boissons primordiales, eau, café, ainsi que la mise en place de distributeurs automatiques au niveau des parkings et halls extérieurs, évitant ainsi aux familles de consommer des produits très chers à l'intérieur de l'aérogare. L'actualité internationale. Le président de la République a félicité hier le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Pour rappel, Poutine a obtenu plus de 87% des voix après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Direction Gaza avec l'assassinat du chef de la police de Hamas aujourd'hui. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 8 massacres contre les familles de la bande de Gaza. Massacres qui ont fait 81 martyrs et 116 blessés. Et puis la famine qui plane sur la population gazaouie. La mort lente et douloureuse de 23
3 enfants dans le nord de Gaza dus à la malnutrition et la déshydratation ne serait que la pointe de l'iceberg, car seuls ceux qui ont pu être transportés dans les hôpitaux sont signalés, a déclaré le directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Du sport pour terminer, avec notamment le premier stage de la sélection nationale sous la houlette du nouveau sélectionneur national. Il y aura également une journée de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec une très belle affiche. Usma d'Alger en tente de City. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.